Salut à tous! Salut! Bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon petit plat, le fameux plat traditionnel, biryani, à la façon mauricienne, que je vous présente aujourd'hui. Mais vous pouvez penser que biryani, c'est un plat marin difficile pour Ah faire. ouais, me confirme. Mais au fait, non, c'est la recette qu'il vous montre celui-là. C'est une recette très simple, rapide et facile à faire. Et sans plus tarder, nous passons au moment de tout les ingrédients qui m'ont servi. Je vais avoir une vie bon. Et moi, je vais garder un secret. Pour que nous tout les ingrédients qui m'ont servi. Et pas oublier, like and subscribe to the channel. Inspire me. Nous allons faire un biryani poulet. Nous avons l'ingrédient principal, c'est poulet. Et moi, je vais servir 5 cuisses de poulet pour mettre dans mon biryani. Et mon biryani, c'est pour 8 personnes. Je vais servir 700 g de riz, pommes de terre, vous pouvez mettre quantité de temps en vie, et des oignons, un yaourt, du sel. Tu as montré quelle quantité de sel je vais servir, jaffran, et je vais 2 cuillères. Des épices biryani, 2 gros cuillères, 1 cuillère et demie d'oignons écrasés, 1 gros cuillère l'ail écrasé, 1 petit cuillère gingembre écrasé, 1 cannelle, cotomilli, la menthe et piment. Donc vous trouvez moi mon amande, vous savez un petit guide même parce que mon amande est bien faux. Vous pouvez même un petit guide plus, vous savez pas les autres amandes là. Yanni, je n'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est juste ça quelques ingrédients qui me montrent les autres. C'est tout qui nous a fait bon Yanni. Et là sans plus tard, les bons montrent les autres qui m'ont montré à peu près pour Marina. Dans nos récipients, on mélange tous nos ingrédients. Mettez-nous l'ail. L'ail écrasé, les oignons écrasés, gingembre, les épices biryani. Là, nous mettons cotomilli. Et nous mettons la menthe. Ça, la menthe, là, c'est une menthe bio. Vous êtes capable de visiter notre channel. Là-bas, nous faisons une ici vidéo comment faire pour planter chez soi. Alors, vous pouvez faire des légumes bio dans un jardin. Et c'est super intéressant. Là, on rajoute nos yaourts sans sucre. Mettre la moitié tasse de l'eau. Et puis, on rajoute mon piment. Piment là, vous êtes capable de mettre un sel ou bien 2 selon votre goût. Si le piment là trop fort, vous êtes capable de mettre une seule. Là, voilà. Et là, nous mélangeons la marinade. C'est le même cas de pour que la commence à monter. Là, nous mettons la marinade de côté et nous passons aux fritures des oignons.
tomber du. Un nouveau bébé est fini par aller, une demi-bouille. Tu es allé nous mettre à côté, tu as déjà nous faire une. C'est ça, vous m'en souvenez. Là, nous finissons frien, nous soignons avec nos pommes de terre. Et que nous mettons la moitié de nos marinades et nous réservons l'autre moitié pour. Tout à l'heure, pour faire le garnish. Si vous y êtes seul dans nos poules, mélangez. Après ça, nous mettons dans nos marinades qui nous sont préparées. Avec de l'eau. Après, je t'en mets aussi un petit peu de jaffran. Là, on a de l'eau qui finit bien. On a de l'eau, on rajoute cannelle et elaïti. Et là, de ça, de l'eau bouillante, là, nous rajoute nous du riz. Comment je te mets de le, comment je te mets du riz là dans de le bouillie là, tout de suite je tiens, après ça fait pas ça. Et là je te installe nos marinades. Nous pouvons mettre du riz là en layer. Et là nous rajoute un peu de oignons frits pour le goût. Là, on a nous du riz cuit au coin de guide. Là, nous pourrons ajouter dans nos marinades. Là, nous rajoutons une deuxième batch du riz. Et là, nous rajoutons le dernier layer du riz. Et là, nous mettons le dernier layer pour garnish en haut. Voilà. Nous mettons les oignons frits. Nous mettons le cannelle et nous et la tiki dans radiri qui nous bouille là. Et puis nous mettons un petit peu de mortain. Rajoute un petit peu de jaffran et de couleur en haut. Et puis là, nous mettons du riz sur feu doux pour cuire. Nous avons un petit coup qui position après 10 minutes. Bon, on fait la montée. Là, nous brillons pas qu'on arrête tout à fait. Nous recouvrons et allez, nous recheckons un coup. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, nous brillons prêt. On va checker un coup. Ça bon. Sent super bon. C'était un goûter et nous faisons autre connaître. Et voilà, nous brillons en ligne prêt. Maintenant, nous passons à la dégustation. Bon appétit tout le monde. Maintenant, le moment plus important, nous passons à la dégustation.
C'est super top. Mais bon. Mais bon. Je vous dis pour une vidéo. Et pas oublier, like nos vidéos et subscribe to the channel. Inspire me. Inspire me. Bye bye. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine.